Salut Jim, on est en plein mois de janvier. Mois de janvier, ça arrive avec quoi? Ça arrive avec trévernal. Trévernal, ça arrive avec quoi? Ça arrive avec pas de match. Pas de match, ça arrive avec quoi? Ça arrive avec période de mercato. Mercato, ça arrive avec quoi? Spéculation. Et spéculation, ça arrive avec quoi? Billet de Ryan. Et ouais. Bon, du coup, on va se taguer au mercato lillois. Vous avez proposé l'idée sur Facebook et vous avez tous été contents, heureux, conquis par cette idée. Pourquoi lillois? Parce que, premièrement, je suis lillois. Et deuxièmement, parce que Lopez va racheter le club courant janvier. Il a dit qu'il allait mettre entre 20 et 30 millions, en tout cas pas beaucoup d'argent pour le premier mercato. Et même c'est un investisseur qui va être un mécène et qui veut mettre énormément d'argent. Du coup, il manque beaucoup de choses à l'effectif lillois. Et ben, on va essayer de créer un effectif assez propre et assez bon pour viser une place européenne. Go! Bon, en premier lieu, on va faire une revue effective du LOSC. On va voir quel joueur je vais garder et quel joueur je vais laisser partir. Ou alors je vais pas utiliser. Du coup, là j'ai l'effectif sous les yeux. J'ai le dernier 11 qui a été utilisé par Colio. Et du coup, on peut voir qu'il y a Eder en pointe, Stigis au côté, accompagné de Lopez de l'autre côté. En numéro 10, Benzia. Bon, je vous le dis tout de suite, Benzia, j'en veux pas. Sankari Amadou pour les deux numéros 6. Et derrière, Korchia, Soumaoro, Sivelli et Palmieri. Bon, gardien Enyama, lui, c'est une valeur sûre. Qu'est-ce que je vais enlever? De 1, Benzia. Benzia, pour moi, c'est pas un numéro 10, c'est un joueur avec beaucoup de talent. On va pas dire beaucoup de talent, mais avec un très bon pied, très technique. Mais il n'a pas vraiment de poste. Pour moi, il n'est pas bon à l'attaque, il n'est pas bon sur les côtés, il n'est pas bon en 10, il n'y a pas de vision de jeu pour. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait mettre sur l'attaque. Ensuite, Sankaré, désolé, je vois pas pourquoi Lille l'a acheté cet été. C'est un joueur moyen de Ligue 1. Je n'ai rien pour les joueurs moyens, mais pour moi, il ne devait pas aller au LOSC. Surtout qu'au LOSC, il n'y a que le même type de milieu de terrain. C'est que des milieux de terrain qui savent récupérer des ballons. Et c'est pas avec ça que tu vas créer du jeu et que tu vas avoir différents corps à ton arc pour gagner des matchs. Ensuite, Mavouba, il a fait de très belles choses avec le LOSC, le doublé, il est capitaine emblématique de LOSC aujourd'hui, mais à l'heure actuelle, il est plus souvent au Canal Football Club qu'il est bon sur un terrain. Ensuite, derrière, bon, Sivelli, il a dit qu'il allait partir. Soumaoro, c'est un joueur qui a du potentiel, je le garde. Korchia, impeccable. Enyama, toujours good. Ensuite, Palmieri, pour moi, non. Il a aucun apport défensif. Il a trop de déchets défensifs pour rester. Son remplaçant, Franck Beria, bon, c'est plus que l'ombre de lui-même. Depuis qu'il est parti à la fac, il n'y a plus rien, il n'y a plus de niveau. Amadou, je le garde en numéro 6. Lopez, Titi, on va les garder parce que Titi, pour moi, il a un très très bon potentiel. C'est un peu un joueur à la Bouffal qui vient de Ligue 2, qui a besoin d'apprendre dans sa première saison pour pouvoir exploser la saison d'après. En tout cas, c'est ce que je pense. Et Lopez, c'est un très très bon joueur, mais moi j'ai du mal avec les joueurs prêtés. Surtout quand ils sont jeunes, parce qu'en fait tu vas juste les développer pour que Monaco se fasse plus d'argent. Ensuite, Eder devant, je suis désolé, mais Eder c'est un joueur que j'apprécie absolument pas. Et avant même qu'il ait marqué contre la France à l'Euro, c'est un joueur qui était remplaçant, même pas remplaçant, il était troisième couteau à Swansea. Il avait fait 13 matchs, 0 but. Tu as 4 millions d'euros sur lui, c'est pas fou. Et le joueur, aujourd'hui, tu peux le vendre pour 5 millions, quoi. C'est pas 5-6 millions, et encore sur la vague de l'euro. C'est un mec bien, hein, mais avec un ballon, moi, j'arrive pas. L'année dernière, il marque parce que Bouffal est en feu, il provoque des pénalties, il lui fait des centres, des pots sur sa tête. Et là, ça marche pas. Du coup, là, maintenant, il nous manque un attaquant. Même si Depréville va être là, j'aimerais faire tourner avec un autre attaquant. Du coup, il nous faut un avant-centre, un numéro 10, un milieu de terrain, un arrière-gauche et un défenseur central. Du coup, pour cette recherche de joueurs, on va aller sur un site qui s'appelle Transfermarkt. J'ai trouvé sur SoFoot, c'est un site qui regroupe toute une base de données sur les joueurs avec des tranches, comment dire, avec des prix pour chaque joueur qui ont une vraie valeur qui ressemble vraiment à ce qui se passe en réalité. Bon, après, ça dépend selon le. C'est un prix de base. Si le club te fait chier pour le vendre plus cher, il va le faire. Après, cette base, on va essayer de faire un mercato intelligent, pas trop cher, qui pourrait permettre de combler les lacunes du LOSC. Du coup, le premier joueur qu'on va rechercher, c'est un remplaçant Palmieri et Beria, en arrière-gauche. Et pour ça, le joueur que j'ai choisi, c'est Benoît Tremouignas. Tremouignas, tout le monde le connaît, il a joué en équipe de France, il est international, il joue à Séville. En ce moment, il n'est plus en odeur de sainteté. C'est un joueur qui a un très bon apport offensif, qui a quand même quelques garanties défensives, et qui a d'expérience, qui a un niveau qu'on connaît, qui est très très correct, et qui connaît la Ligue 1. Il coûte à peu près 5 millions. Bon, tu peux l'avoir pour 3-4 si tu achètes maintenant, parce qu'après sinon il partira gratuitement. Alors pour 3 millions, c'est pas mal, c'est correct pour un joueur de ce niveau-là. Ensuite, passons à la défense. Je veux parler d'un ancien Lillois, Aurélien Chedjou. On se rappelle de son petit pont contre Tatane. Sama le fabrique. Lui, c'est un très bon défenseur, on le sait. Aujourd'hui, il a quoi? Il a 30-31 ans. Pas trop mieux pour la défense centrale. Et il est en fin de contrat lui aussi en fin d'année.
sa valeur est 7 millions à peu près à Galatasaray. À part s'il veut partir cet été pour un dernier gros contrat au Qatar, si on propose 5-6 millions à Galatasaray, ils vont le lâcher. Du coup, ça fait deux joueurs. La défense, c'est cool. En numéro 6, premier nom, c'est un milieu défensif, milieu relayeur, il s'appelle Ruben Neves. C'est un joueur du FC Porto, très jeune joueur, 19 ans. Sa cote monte en ce moment, c'est un joueur avec un très gros potentiel technique, il a une bonne relance, il récupère des ballons. On connaît le FC Porto, qui a des joueurs vraiment très très talentueux, et c'est un joueur qui pourrait exploser, surtout qu'on sait que Campos a des relations avec notre cher ami, comment il s'appelle, Jorge Mendes, qui lui va pouvoir te ramener ce joueur. Campos qui a des grandes relations au Portugal, on l'a vu avec Monaco, qui va pouvoir aller chercher pour un peu moins de 11 millions, je pense. Ce serait un gros transfert, oui, mais ça joue avec un fort potentiel. Ensuite, dans notre milieu de terrain, j'ai fait un choix fort. C'est Amine Harit, la pépite numéro 10 qui joue à Nantes, et qui était numéro 10 de l'Euro 19 des Espoirs, qui ont gagné l'Euro cet été. Et lui, il a vraiment un potentiel. Il, techniquement, il est au-dessus, il a une vision de jeu. Pour l'instant, il n'est pas décisif. Parce qu'avec Nantes, ça allait pas, t'avais René Girard comme entraîneur et comme vous le savez autant que moi, le supporter du LOSC, René Girard, c'est pas un jeu flamboyant. Et il a eu le temps de jeu, il montre des choses, il est pas encore décisif, mais si t'arrives à avoir un coach, bon on va pas peut-être tiquer sur le coach qui va arriver, écoute, j'en parle de Bielsa ou autre, mais c'est un grand coach qui peut progresser les jeunes, bah il peut vraiment exploser. Ensuite devant, j'ai deux noms. Le premier, c'est Moukanjo qui a coûté à peu près 5 millions d'euros. Il a fait une grosse saison l'année dernière, cette saison il est un peu dans le dur, mais Lorient est dans le dur aussi. C'est un joueur dont je me demandais l'année dernière, pourquoi il n'était pas à Lille. Le mec était en Ligue 2, cassé la baraque, il arrive en Ligue 1, et pourquoi des clubs comme Lille ne vont pas le chercher. Aujourd'hui il a prouvé en Ligue 1 l'année dernière, c'est un joueur qui marque ses buts, qui marque tous les ans des buts. C'est ce genre de joueur, pas cher, tu peux l'avoir, tu mets en pointe, il va te marquer des buts. En deuxième choix, j'ai pris un joueur qui a un plus gros potentiel, c'est Sébastien Haller. Lui, c'est attaquant de Utrecht. Il joue en espoir avec la France. C'est un attaquant qui a vraiment une cote qui monte de plus en plus. Il a été formé à Auxerre. Si vous ne connaissez pas, c'est pas un joueur technique qui va dribbler 5 joueurs. C'est un peu un profil grand, longiligne, qui est un buteur, point de fixation, mais plus technique qu'Haller. Déjà, plus jeune. Du coup, pour moi, c'est le genre de joueur sur qui il faut miser. Tu mets de l'argent, tu l'amènes en France. C'est un joueur comme Lopez veut, des jeunes qu'on peut vendre plus cher. Et dans le projet, je pense qu'il ira vraiment bien avec le projet Lille. Du coup, résumé, on a dit en premier, le plus gros transfert, Ruben Neves, 11 millions, et là 10 millions. 10 millions, plus 5 millions pour Chechou, et 15. Trémunas pour trop. Ça fait quoi? Ça fait 18. Avec ça, Thierry Mignaric, c'est 2 millions. 2 millions, ça fait quoi? Ça fait 20 millions. 20 millions, plus Sébastien Haller ou Moukanjo, qui sera entre 4 et 7 millions. Ça fait un petit 25 millions de budget pour cet été. Pour cet hiver, plutôt. 25 millions, c'est pas beaucoup. Avec ça, tu peux avoir une équipe qui peut vraiment faire quelque chose en Ligue 1. Avec ça, tu peux aller en Europa League. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un nouveau concept que je suis en train de faire. Et du coup, si t'as kiffé, mets un like. Tu mets en commentaire cette équipe sur laquelle tu veux voir une sorte de format comme ça. Peut-être l'OM ou autre chose. Hein. Et en tout cas, on se retrouve soon. Peace. Chill is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want